Moi, je suis pas un... j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que naturellement, je regarde pas trop le passé, à vrai dire. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai fait hier, c'est ce que je vais faire demain. Donc c'est vrai qu'à un moment, le temps faisant en plus son effet, hein, parce que le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, j'ai un peu tendance à oublier tout ça. Moi, ce qui m'intéresse de mes expériences passées, c'est ce qui va me servir dans le futur. Et c'est vrai que de temps en temps, ça m'évoque quelque chose, toutes ces aventures, mais c'est pas l'essentiel de mes préoccupations, quoi. Ce qui me préoccupe, c'est ce qui va se passer demain et après-demain, le reste. C'est le coup d'envoi de la saison, c'est-à-dire que le bateau va pas tarder à changer de main, il va quitter un petit peu les mains des techniciens, il va partir entre les mains des navigants. Et bon, là, du coup, cette année, c'est un peu particulier, c'est entre les mains des navigants, c'est entre les mains du navigant, parce que toutes les épreuves de la saison sont en solitaire, donc ce bateau, il prendra que des départs de course en solitaire cette année. Donc ça veut dire que voilà, maintenant, il va falloir commencer à se concentrer sérieusement sur retrouver tous ses réflexes pour mener, manœuvrer, exploiter le potentiel d'un bateau comme ça. Et c'est un vaste chantier à chaque fois, quoi, de s'y remettre, de reprendre ses repères. En plus, le bateau, il évolue, il change un petit peu tout le temps. Donc même tout ce qui a été acquis dans le passé n'est pas toujours récupérable. Donc non, non, c'est le début d'une nouvelle campagne. C'est parti. Avec le temps, t'acquiers de l'expérience et il faut savoir se servir de cette expérience pour progresser. Donc à chaque fois, ton approche, elle évolue, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est riche dans notre métier. Si à chaque fois on recommençait la même chose, ce serait pas très rigolo. Alors que là, c'est à chaque fois on repart pour de nouvelles aventures avec un bateau qui, même si foncièrement il n'a pas changé, il a évolué, avec une expérience qui a évolué aussi. Donc là, clairement, j'ai des nouveaux axes de travail sur la préparation du prochain Vendée Globe, et elle va pas s'articuler de la même manière qu'elle a pu s'articuler la dernière fois. Bon, maintenant, je vais pas parler de tout non plus, parce que si je parle de mes différents axes de travail, je vais dire des choses que j'ai pas envie de raconter aujourd'hui, que je vous raconterai l'année prochaine. Et puis, quand on teste des nouvelles choses et qu'on fait de nouvelles expériences, bon, avant de s'en vanter, on essaye de faire en sorte de savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas.